Bonjour à tous, c'est Aquavidule35 et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo spéciale 9000 abonnés. Alors je vous ai fait une vidéo condensée, il va y avoir des petites images bêtisiers, bonus, scènes coupées, etc. Même des scènes marrantes d'autres vidéos que j'ai déjà pu mettre en ligne. Et je vais aussi donc vous faire une petite vidéo de remerciement parce qu'on est arrivé à 9000 abonnés et mine de rien, c'est un grand pas. Et à la fin, je vous ferai la petite vidéo réponse à vos questions de la semaine. Voilà. Allez, je vous souhaite à tous une bonne vidéo et puis on se retrouve dans 2-3 minutes. Ciao! Oh putain, j'ai oublié d'ouvrir le pied. Je vais bien desserrer le frein. Est-ce que je le tire et je le chope ou... Ouais, tire-le sur le, t'as coupé ta cuillère et récupère. Ouais. C'est ça que je viens de te demander si j'aime tout ça, ça allait marcher. Oh bah punaise, j'ai même pas pu le montrer à la caméra. Bon. Dommage. Et il t'a fait un petit nœud là. Ça m'a trop fait le gil. J'ai froid aux mains. Ah. Non. Là je suis au fond. Aïe aïe aïe. Je vais essayer de pas casser. Yes! Et merde! Yes! T'es! Derrière toi? Il est fou. Oh merde! Aïe! Oh, j'ai pris la douche et je me suis. Bon, et ben voilà. Je vais faire une petite vidéo pour fêter ça, une petite vidéo spéciale 5000 abonnés. Et cette vidéo, il est venu. Il est venu. Attends, passe-moi. Amène-moi le fil, toi. Non, tu vas péter ta cam. Oh, c'est limite. Hey, hey. Ah. Pas mal. Merde. Tu vois là. Ah, il est beau. Lui, je lance un mètre devant. Essaye de pas lui faire peur. Yes, il y est. Yes, il est magnifique. Oh non. Oh yes, il y est. Yes, il est magnifique. Oh non. Oh punaise, elle a pincé l'asticot quoi. Attends, je vais l'attraper de telle chose. Oh, chaud, attends, j'ai une pince, t'inquiète. Non, mais t'inquiète, moi je vais l'attraper. Alors, oh, attends. Énorme. Tiens, bah pêche avec ça, au moins c'est naturel ça. Putain, la taille de l'écrevisse quand même. Attends, tu peux la décrocher? Donc ça y est, on y est, 9000 abonnés, déjà plus de 9000 abonnés, c'est vraiment énorme, ça me fait super plaisir, et puis honnêtement, je vous dis merci, merci à toi qui es derrière ton écran et qui regarde mes vidéos, qui met des petits likes et des petits commentaires. En fait, c'est grâce à vous que la chaîne YouTube existe, c'est-à-dire qu'en fait, une chaîne YouTube sans ses abonnés, elle est rien. C'est si j'ai pas vos avis et vos likes et tout sur mes vidéos, ça peut pas avancer. Et c'est grâce à ça en fait que j'ai l'énergie de continuer à faire des vidéos et d'améliorer la qualité de celle-ci. Donc continuez vos likes, continuez vos commentaires, franchement ça me fait toujours autant plaisir. N'hésitez pas aussi à regarder un petit peu sur Facebook parce qu'il y a plein de nouveautés. Et sinon je voulais faire en fait une petite dédicace sur cette vidéo, une petite dédicace à mes potes de pêche charentais qui m'ont poussé à faire des vidéos et qui m'ont aidé à faire des vidéos. Alors merci à Manu, grâce à toi en fait on a fait une vidéo qui cartonne sur YouTube, il y a plus de 100 000 vues. Là le brochet qu'on galère à sortir des branches, c'est vraiment excellent et ça restera un très bon souvenir.
Merci à toi Alex, avec ton fils Marius, on a passé des super moments au bord de l'eau, surtout la dernière fois qu'on s'est vu pour l'ouverture de la truite, on s'est bien marré. Bon, il n'y avait pas beaucoup de poissons, mais le soleil et la bonne humeur étaient au rendez-vous. Et puis bah merci aussi à Jim avec qui je pêche un petit peu dans le sud de la Charente et Alexandre Jolivet avec qui je vais faire l'ouverture. On s'est bien marré à cartonner sur des brochets dans des petits bras l'année dernière, c'était vraiment énorme. Enfin voilà, je voulais aussi remercier mon meilleur ami avec qui je pêche depuis le CE1 sur une petite île en Bretagne. Voilà, on pêche en mer et en fait on pêchait la vieille, le lieu, les orphies, etc. Et c'est grâce à lui aujourd'hui que je suis autant accro à la pêche et que je fais des vidéos sur internet. Donc voilà, merci à toi Luc. Honnêtement, sans toi, je ne sais pas si tout ça se serait réalisé. Je te dis merci et puis bah vivement qu'on repêche tous les deux. Donc pour ce qui est de la petite série à vos questions, tout simplement cette semaine on m'a posé 3-4 questions intéressantes que j'ai retenues. La première c'était est-ce que tu pêches au vif? Alors moi honnêtement je pêche pas trop au vif, ça m'arrive de pêcher au vif quand vraiment rien ne mord et en fait tout simplement je vais pêcher la perche au vif avec soit des tout petits gardons, soit des gros vairons. Voilà. Ça me permet en fait de pêcher donc les perches sans qu'elles engament trop le vif et de ne pas avoir de problème de no-kill. Parce que c'est vrai que le vif pour la pêche en no-kill, c'est pas l'idéal. Donc généralement je pêche pas le brochet au vif. Ça m'est arrivé quelques fois, mais voilà, c'est vraiment pas quelque chose que je fais régulièrement. Après, deuxième question, on m'a demandé combien de fois tu lances ton leurre par endroit. Alors moi, tout simplement, je vais vous expliquer combien de fois je lance le leurre par poste, précisément. En fait, ça va dépendre de la saison. C'est-à-dire qu'en hiver, je suis capable de lancer 15-20 fois le leurre sur un poste, en changeant des fois le leurre d'ailleurs. Et en été, j'ai tendance à lancer moins de fois le leurre sur un poste, parce que j'estime que le poisson est plus actif et donc que la touche va arriver plus rapidement. Donc en été, en fait, généralement, je lance 5 fois le leurre sur un poste. Donc si tu veux une bonne moyenne, moi je te conseille en fait tout simplement de lancer ton leurre une dizaine de fois par poste, à la limite de faire 5 lancers avec un leurre, de changer de leurre, par exemple tu en as un dans la poche et hop tu le changes rapidement, et de refaire 5 lancers avec un autre leurre pour essayer de creuser un petit peu plus, ou alors au contraire de remonter un petit peu plus en surface, voir à quel endroit se situe le poisson, etc. Troisième question, on m'a demandé en fait si j'allais souvent faire des vidéos comme ça croisées avec les autres chaînes YouTube. On m'a demandé si je referais des vidéos sur un même leurre que les autres chaînes YouTube en même temps, etc. Non, tout simplement, ça c'était vraiment une vidéo exceptionnelle, mais bien sûr ça n'arrivera pas une seconde fois. Enfin, je pense pas le faire une seconde fois. C'était vraiment quelque chose d'exceptionnel pour marquer le coup, pour marquer en fait le début entre guillemets de l'ouverture et vous faire gagner un petit leurre. Voilà. Et donc, dernière question, on m'a tout simplement demandé si j'allais faire un petit jeu pour les abonnés, pour les 9000 abonnés, pour les remercier avec des dotations, etc. Tout simplement, c'est prévu depuis pas mal de temps. Normalement, une semaine ou 2 semaines après l'ouverture, il y aura un petit tirage au sort avec des dotations, voilà, pour les abonnés. Et je ferai aussi dans cette vidéo un petit concours. Donc, le concours, ça sera sûrement deviner la taille ou le poids d'un poisson. Peut-être même l'espèce, c'est-à-dire que comme la grenouille, eh ben, je prendrai une espèce un peu exotique et je vous ferai deviner quel est son nom, tout simplement. Et donc suite à ce petit concours, il y aura un tirage au sort parmi les bonnes réponses et tout simplement, ça sera peut-être 2 ou 3 personnes qui gagneront en fait un petit extra, voilà. Donc après, au niveau de l'extra, je ne sais pas ce que je vais faire encore. Ça sera peut-être un leurre avec le nom de la chaîne YouTube écrit dessus. Ça sera peut-être une conversation sur Skype pendant une demi-heure, ou ça sera peut-être une partie de pêche avec la personne, si elle habite pas trop loin de chez moi. Voilà. Je sais pas exactement ce que ça peut être. N'hésitez pas à proposer des idées dans la vidéo. Moi, de toute façon, je suis preneur. Voilà. Donc cette petite vidéo touche à sa fin. Je vous invite à mettre un petit commentaire et puis un petit like à la vidéo si elle vous a plu. Ça fait vraiment toujours autant plaisir et c'est ça qui nous pousse en fait à continuer de faire des vidéos. Je vous incite aussi à aller voir la page Facebook parce qu'il y a plein de petites infos qu'il n'y a pas sur YouTube. Et puis sinon, je vous dis bonne chance pour l'ouverture. Amusez-vous bien, profitez du bord de l'eau, profitez de vos amis. Et puis on se retrouve très rapidement pour des vidéos de pêche. Allez, ciao tout le monde!